Star Wars 8, hommage ou destruction du mythe? Star Wars 8 divise. D'un côté, ça crie au scandale, et de l'autre, ça idolâtre le film. C'est vrai qu'on pourrait s'en tenir au fait que tout ça, c'est purement subjectif, que chacun ses goûts et puis basta. Pourtant, je trouve que c'est une bataille bien plus profonde. Car au final, ce n'est pas juste une confrontation de goûts et de couleurs, c'est une véritable guerre de fans qui dénonce la destruction du mythe de la saga de George Lucas, soit en sens le film au point de le faire passer comme étant le meilleur Star Wars de tous les temps, rien que ça. Du coup, la communauté est définitivement coupée en deux? Peut-on trouver une issue à ce conflit violent? Je n'ai pas de réponse dans l'immédiat. En revanche, je vous propose ma vision des choses. Après mes récentes vidéos, on m'a beaucoup reproché de dénoncer plus que je n'argumentais. Et on m'a demandé si je ne pouvais pas tout simplement dire pourquoi j'avais aimé Star Wars 8. Eh ben d'accord, je me lance. Cependant, je ne vais pas parler en détail du film en abordant chacune des scènes, je pourrai y revenir plus tard certainement, notamment après la sortie du film. Mais en attendant, je souhaite qu'on focalise toute notre attention sur les péripéties se déroulant entre Luke et Rey et ce qu'elles signifient autant au sein de l'histoire que pour le spectateur lui-même. Je rajoute que, comme vous l'avez remarqué, je préfère vous lire ce que j'ai écrit, quitte à ce que ça fasse moins naturel, mais après avoir écrit 9 pages, je préfère vous le livrer tel quel. Merci de votre compréhension, cordialement. Bon, on y va? C'est parti. Luke qui jette le sabre par-dessus son épaule, j'ai trouvé cela génial car inattendu. Cette réaction casse pratiquement toutes les théories qu'on s'était fait à ce sujet. Puis cela montre d'entrée de jeu la direction empruntée par Luke. Mais au-delà de cette réaction primaire pouvant nous faire aimer ou détester ce passage, il est bon de se demander si cette réaction est surtout cohérente. J'insiste encore une fois, tout ce que je développe relève de mon point de vue, de ma manière de voir les choses. Est-ce cohérent alors cet acte de Luke? Eh bien, il apparaît au final comme étant la réaction la plus prévisible et crédible. La cohérence de son geste est définie par sa présence même sur l'île. Il a désiré s'exiler autant à cause d'un acte qu'il a commis que pour éviter qu'il génère de nouveaux événements pouvant nuire à la galaxie. Il s'est fermé à la force, ne veut plus en entendre parler. La vue du sabre lui remémore évidemment des souvenirs immenses de la nostalgie qui l'envahit. Mais ce plongeon dans le passé lui fait mal et il préfère se débarrasser du sabre. Lorsque Rey vient le récupérer après que les Porgs aient attiré son attention, elle découvre au fond de l'eau le vieux X-Wing de Luke. Il ne s'agit pas ici de montrer simplement que Luke a laissé en plan son vaisseau. Cette image transmet un symbole fort et fait directement écho à l'entraînement de Yoda dans l'épisode 5. Au moment où Luke s'entraîne, il est amené à extirper son vaisseau de l'eau. Sauf qu'il échoue, il ne croit ainsi plus en son potentiel de maîtriser la force et le vaisseau reste submergé. Dans le 8, le vaisseau submergé renvoie donc à cet abandon de Luke et donne ainsi un indice sur son lien avec la force désormais. Plus tard, au moment où Rey découvre les ouvrages Jedi, Luke se met soudainement à s'intéresser à elle dès le moment où elle lui dévoile avoir vu cette île et cet endroit précis dans ses songes. Il se met à la questionner pour connaître la raison de sa présence. Rey lui répond dans un premier temps que c'est la résistance qui l'envoie, mais Luke ne croit pas qu'il s'agisse de la seule vérité et il insiste. Elle lui dévoile finalement avoir senti que quelque chose s'était réveillé en elle et qu'elle en avait peur. Luke comprend donc tout de suite qu'il s'agit d'un réveil de la force et lui fait comprendre qu'il ne veut rien avoir avec tout cela. Arrêtons-nous 2 secondes sur ce dialogue. Le fait que Rey indique que quelque chose s'est réveillé en elle permet d'abord de justifier le titre du 7. Si on pouvait se demander si c'était le réveil de Finn, si c'était un nom bateau ou choisi sans profondeur, on a ici la confirmation comme quoi c'était bien en la personne de Rey que la force s'était réveillée. En venant justifier le titre du 7, Star Wars 8 vient donc prendre en considération l'existence même de l'épisode 7 et lui donne de la valeur. Je précise cela parce que j'entends pas mal de critiques disant que Ryan dénigre le travail de J.J. Abrams. Au passage, je pense d'ailleurs que l'erreur la plus souvent commise, c'est de ne pas considérer les suites des épisodes comme partie intégrante de la saga. En se disant que ce sont des réalisateurs différents qui font les films, on ne peut s'empêcher d'y trouver une concurrence et de se dire que si l'un n'a pas aimé ce qu'a fait l'autre, il trouvera des stratagèmes pour le descendre au maximum. Or, moi qui regarde les épisodes comme des suites logiques, je parviens davantage à voir que le scénario est un prolongement du précédent plutôt qu'une cassure.
Maintenant, ce serait intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'elle s'est réveillée cette force, à quel moment et dans quel but. Dans l'épisode 7, Rey est confrontée pour la première fois à la force lorsque Kylo Ren l'interroge. On apprend à ce moment-là qu'elle a déjà eu des visions de l'île, donc qu'elle a déjà plus ou moins utilisé la force sans le savoir. Du coup, on peut se demander si la force s'est réveillée en elle avant les événements du 7 ou bien au moment où Kylo l'utilise contre elle. En tout cas, la force l'avait donc apparemment choisie depuis longtemps. Et si ce n'est pas la force elle-même qui l'a choisie, c'est Snoke qui en est le réel auteur comme il le confirme plus tard dans le film. Dans tous les cas, la force en elle lui a été transmise pour s'opposer au côté obscur, venant une fois de plus rendre cohérents les actes du 7 en justifiant l'origine de la puissance de Rey. De plus, lorsque Snoke reproche à Kylo de s'être fait dominer par une novice, cela sert à deux choses. Premièrement, à casser le quatrième mur en s'adressant directement aux spectateurs et leur dire que le film est conscient de cela, mais que si ça a été fait, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est celle que je viens de donner précédemment, comme quoi elle a été choisie par la Force ou par Snoke s'il dit vrai. Pour le moment, on n'est pas encore totalement sûr tant qu'on n'aura pas vu le 9. Et deuxièmement, cela sert à rendre Kylo colérique, le faire sombrer encore plus du côté obscur afin qu'il commette des actes cruels, comme il a failli le faire ensuite en hésitant à tuer sa mère. Mais au fond, quand Snoke fait cette reproche à Kylo Ren, il sait très bien que Rey disposait déjà de la puissance nécessaire pour lui faire face. Certes, Rey a des facilités à utiliser la force, mais elle n'a aucune connaissance sur ce qu'est cette force. On ne peut donc pas dire qu'elle la maîtrise, elle sait juste l'utiliser sans savoir ce que c'est, d'où la volonté de Luke de la former à ce sujet. C'est d'ailleurs un entraînement particulier auquel elle a affaire, du jamais vu jusqu'à maintenant dans les Star Wars, car là où Luke et d'autres apprentis des Académies Jedi savaient ce qu'était la force et apprenaient à l'utiliser pour la maîtriser, Rey utilise déjà la force, mais elle doit apprendre ce que c'est avant de pouvoir la maîtriser. On peut faire le rapprochement avec une recette de cuisine. On sait d'abord ce qu'on veut cuisiner, on apprend la recette, et c'est en la suivant qu'on obtient le plat souhaité au départ. Rey, quant à elle, elle mélange les ingrédients à l'aveuglette et par chance, ça lui donne toujours un plat réussi. Sauf que si elle apprend jamais pourquoi tel ingrédient se marie bien avec un autre, ni en quelle quantité il faut les ajouter, elle risquera un jour de faire n'importe quoi et se planter. D'où la nécessité de lui apprendre les bases malgré qu'elle sache déjà l'utiliser. L'humour présent en début de scène de la première leçon donnée par Luke à Rey montre bien la naïveté de cette dernière. Elle fait ce qu'il lui dit, sans profondeur. Il lui dit de se projeter, elle le fait physiquement, Luke se joue de cela avec la brindille et la ramène à la raison en la fouettant. Quand elle lui pose des questions, pour essayer de comprendre, Luke lui répond uniquement par le regard, ce qui accentue la classe du personnage et en même temps montre sa sagesse, car il n'a pas besoin de mots, elle a déjà les réponses dans ses propres questions. L'humour utilisé permet de fait de défaire cette image de surpuissance qu'elle semblait avoir dans le 7 pour montrer autant à Rey qu'au spectateur que ce n'est pas parce qu'on utilise une chose qu'on la maîtrise forcément. Luke forme Rey mais nous forme nous aussi en nous montrant que le but n'est pas faire quelque chose mais de savoir ce qu'on fait. Avoir donc une réflexion sur nos actes plutôt que d'agir bêtement dans la vie sans comprendre pourquoi. On peut voir ici la dénonciation du djihadisme, de ces personnes endoctrinées qui agissent au nom d'un dieu et qui répandent la terreur autour d'eux. S'ils ouvraient les yeux, se rendaient compte qu'ils ne sont que des pions dirigés par une organisation ne souhaitant que s'enrichir par la guerre, pas sûr qu'ils continueraient à jouer les bombes humaines. Mais cela n'est pas obligé d'être une leçon aussi extrême, et peut très bien s'appliquer à nous dans la vie de tous les jours, pour nous dire qu'avant de faire quelque chose, il est nécessaire de savoir pourquoi on le fait, au risque de le faire dans l'intérêt de quelqu'un d'autre, plutôt que pour soi-même. Le côté humoristique employé lors du premier essai de Rey ne vient qu'approfondir encore davantage la puissance de la scène qui suit lors de son second essai. Pour dire que c'est bon maintenant, on a bien rigolé, mais revenons aux choses sérieuses. Désormais, les différents plans sont filmés de manière plus rapprochée. Gros plan sur le visage de Rey, puis de sa main posée au sol par Luke. Alors qu'il n'avait été en contact avec elle que par une simple brindille, le contact de sa main avec la sienne accentue le rapprochement des deux personnages et aide Rey à se concentrer et à se sentir désormais plus impliqué. Une implication qui est également celle du spectateur, qui se sent plus proche que jamais de ce qui est en train de se passer,
raison pour laquelle elle réussit désormais davantage à accorder sa confiance et à voir à l'intérieur d'elle-même. L'enseignement de Luke qui s'ensuit lorsqu'il lui demande ce qu'elle voit fait honneur à la trilogie originale en reprenant l'enseignement de Yoda. Il va même plus loin en mêlant les ressentis humains ainsi que les émotions avec tout ce qui nous entoure au quotidien. Cet enseignement montre à Rey et à nous que tout coexiste avec son contraire, que la vie s'oppose à la mort, le froid à la chaleur, mais que sans l'une des composantes, l'autre n'existe pas, et que l'une n'est pas plus mauvaise que l'autre. La mort, par exemple, fait partie de la vie, c'est un cycle qui d'ailleurs est infini, puisque la décomposition offre un terrain fertile à la vie pour renaître. Cette scène fait comprendre par la même occasion que la mort n'existe pas, que ce n'est qu'une étape de la vie, et qu'au final, on ne meurt pas, à l'image des Jedi qui, même morts, sont toujours là et font à jamais partie de la Force. Ce n'est certes plus leur enveloppe charnelle qui détermine leur existence, mais bien leur esprit qui se confond désormais avec la Force. Seulement, après cette prise de conscience, elle ressent malgré tout l'appel du côté obscur. Le côté obscur est la manière d'obtenir ce que l'on veut sans respecter les lois naturelles, donc sans respecter tout ce qu'elle vient de voir. Par exemple, le côté obscur peut faire revivre un être qui a pourtant suivi un cycle naturel. Le cycle naturel, c'est la naissance d'une cohabitation entre une enveloppe matérielle et un esprit, puis la mort qui crée le détachement entre l'enveloppe qui se décompose et l'esprit qui rejoint la nature, et donc la force. Le côté obscur, lui, balaye ce cycle en permettant de faire revivre un être, donc d'insuffler un esprit vacant dans une enveloppe matérielle. Mais le côté obscur, c'est aussi la possibilité de voir l'avenir. Plutôt que de laisser encore une fois le cycle naturel opérer, c'est-à-dire de faire en sorte que le futur n'est qu'une suite de choix effectués à l'instant présent, le côté obscur propose directement de voir les scénarios possibles et de s'y projeter. Luke finit par être effrayé par Rey, qui s'est laissé tenter. Cela lui rappelle immédiatement Ben qui cédait lui aussi au côté obscur facilement. Il se dit alors qu'il n'a pas à prendre le risque de former quelqu'un qui pourrait basculer de nouveau aussi facilement que son neveu. On peut même y voir ici une référence à la prélogie, où à l'époque Yoda n'avait pas non plus souhaité entraîner Anakin dû à sa tentation trop importante envers le côté obscur. Luke refusant de l'entraîner davantage et Rey étant toujours désireuse d'obtenir des réponses sur ses origines, elle finit par se diriger vers l'endroit obscur de l'île qu'on pourrait assimiler à un ancien temple Sith. Elle se retrouve face à un miroir qui lui montre à la fois le passé, le présent et le futur. Persuadée de pouvoir obtenir des réponses en ce lieu, elle demande à connaître les origines de ses parents. Mais au lieu de lui montrer ce qu'elle veut, le miroir la montre elle. On peut penser que cela représente une incohérence due au fait que le côté obscur est censé te séduire et t'apporter tout ce dont tu as besoin, et que là il se fout plus de sa gueule qu'autre chose. Sauf que je pense que c'est plus profond que ça. Pour moi, le miroir lui renvoie son propre reflet pour signifier que la personne qui détient la réponse à cette question, c'est elle-même, qu'elle le sait déjà, et qu'elle doit au final se fier à ce qu'elle sait pour connaître la réponse. On apprend plus tard de la part de Kylo Ren qu'elle a toujours plus ou moins su qui étaient ses parents, qu'elle s'en est toujours doutée, mais qu'elle a peur de voir la vérité en face. Du coup, le côté obscur la met face à la vérité en la désignant elle-même, comme s'il voulait lui dire « Mais tu connais déjà la vérité, je n'ai rien à t'apprendre. » La deuxième leçon donnée par Luke à Rey représente le moment clé de son apprentissage. Il s'agit d'un moment très fort où Luke apprend à Rey qu'il n'est pas si légendaire qu'on le dit. C'est à ce moment précis où le film ose remettre en question le statut de Luke et va définitivement déstabiliser les spectateurs, et surtout les fans attachés au passé. Souvenons-nous de la trilogie originale. Luke est le fils d'un être du côté obscur. Il se dresse contre lui avec une formation incomplète. Il réussit finalement à le raisonner, non pas par la force brute, mais par la force des liens familiaux. Luke est aussi devenu une légende, car de cet acte en découle un sacrifice de Vador pour tuer l'empereur. Ce statut de légende relie le film à notre réalité. Luke est considéré comme une légende par Rey, ça veut dire qu'elle en avait déjà entendu parler. On a d'ailleurs la confirmation dans le 7 lorsqu'elle s'étonne d'entendre Finn l'évoquer en pensant que ce n'était qu'un mythe. Et pour qu'elle en ait entendu parler jusque sur Jakku, c'est que premièrement cela montre à quel point la nouvelle s'est répandue dans toute la galaxie, même jusque dans les endroits les plus perdus et reculés tels que Jakku. Je vous renvoie à la réplique de Luke envers Rey, lui confirmant qu'elle vient bel et bien de nulle part quand elle lui donne le nom de la planète.
Et deuxièmement, cela ne fait qu'accentuer le statut de légende qui a été forgé autour de Luke. D'autant plus que ce statut a persisté pendant plus de 30 ans, car depuis l'acte de Luke, l'Empire n'est jamais revenu au devant de la scène. Avec les bouches à oreilles, ça se connaît, les actes sont souvent mis en valeur par rapport à la réalité, et ce ne serait pas étonnant que la moitié de la galaxie pense que Luke est bien plus puissant qu'il ne l'est en réalité. Pareil pour la vie réelle du coup, car il s'est là aussi déroulé plus de 30 ans, 40 ans même. Le mythe de Star Wars, le nom de Luke Skywalker, représente plus qu'un simple nom. Les parents ont souvent parlé de ce Luke à leurs enfants et leur ont montré en vidéo à la télé, sur cassette ou DVD suivant l'époque, l'acte héroïque dont a fait preuve leur idole de jeunesse. Sauf que cela faisait partie du passé, c'est quelque chose que les enfants n'ont pas vécu, c'est un mythe pour eux. Sauf qu'en 40 ans, il y a eu plusieurs générations d'enfants. Aujourd'hui, le mythe Star Wars et de Luke s'est transmis, et ce sont toutes les personnes d'environ 40 ans et moins qui ont été touchées par ce phénomène de la part de leurs parents. Ainsi, dans le 7, c'est certes le réveil de la force, mais c'est aussi le réveil du mythe, le réveil du mythe pour les anciennes générations qui voient leur idole du passé revenir au devant de la scène, mais aussi pour les nouvelles générations d'avoir la possibilité de voir renaître cette icône, de la découvrir enfin, de la voir en vrai, sous leurs yeux, elle qui avait tant été idéalisée par leurs parents. Star Wars 7 prend en plus un malin plaisir à rendre Luke encore plus désiré par tout le monde, en y faisant référence pendant tout le film, et en le plaçant comme étant le but ultime à atteindre. Comment douter après cela que Luke est une légende? Comment douter qu'il est puissant? Comment douter qu'il est le meilleur, et qu'il aurait tous les atouts pour réitérer son acte héroïque en faisant de nouveau taire la réémergence des ruines de l'Empire? Sauf que lui-même ne le voit pas de cet œil, car contrairement à tout le monde, il a un œil extérieur sur lui-même. Et même si sa sœur a cru en lui, le poussant à se sentir lui-même comme quelqu'un de légitime et d'assez puissant pour former de nouveaux Jedi, la faute qu'il a commise envers un de ses élèves fait que son estime de lui a considérablement chuté. Il est donc formel envers Rey qui l'idolâtre, en lui disant qu'il n'est pas ce qu'elle croit. Et à ce moment précis, Rey incarne en elle toutes les générations en une. Autant les anciennes que les nouvelles, elle parle à notre place, elle s'adresse à notre héros du passé. Elle fait comme nous aurions tous fait devant Luke. « Mais oui, vas-y, tu peux le faire, tu peux nous aider, tu es Luke Skywalker après tout, non ? C'est toi la légende. » Sauf que la désillusion qu'il donne à Rey, il nous la procure à nous aussi. Rey et nous tous ne comprenons pas comment l'idole de notre passé puisse autant nous tourner le dos alors qu'on plaçait tant d'espoir en lui. On a tant espéré, on a tant attendu son retour, qu'il ne peut pas nous faire faux bond maintenant. Nous nous sentons complètement trahis, désarmés. C'est comme apprendre que le Père Noël n'existe pas. Un mythe se défait, une croyance de jeunesse tombe. On est désemparé car on n'a plus de lumière, plus de croyance envers laquelle se tourner. On est mis face à la réalité et la réalité fait mal. On veut sans cesse retourner sur notre nuage, là où on était si bien. Cette révélation de Luke se déroule d'ailleurs à l'intérieur d'une caverne et peut faire ainsi directement référence à l'allégorie de la caverne de Platon. Cette allégorie met en scène un esclave qui a toujours vécu au sein d'une grotte et qui est un jour invité à sortir pour la première fois de sa vie. Après être né et avoir vu tout au long de sa vie que des ombres projetées sur le mur de la caverne et interprétant ces ombres comme la seule véritable et unique réalité, il découvre enfin la lumière. Lorsqu'il sort, il est tellement ébloui qu'il n'a qu'un souhait, c'est de retourner dans sa zone de confort qu'il a toujours connue. Soit il sait dorénavant que la vérité est dehors, mais souhaite quand même y retourner par déni, car c'était plus confortable pour lui lorsqu'il vivait dans l'ombre et dans le faux, soit il refuse de croire que c'est la vérité et retourne dans sa grotte en oubliant ce qu'il vient de se passer et en reprenant sa vie remplie de mensonges. À notre échelle, à ce moment-là, nous sommes les spectateurs éblouis, sortis de notre caverne, des fans désorientés qui ne reconnaissent plus leur icône de jeunesse et qui crient au scandale. Tandis que certains s'en remettront à cette réalité qui leur font face et finiront par l'accepter, d'autres en revanche auront besoin d'un second visionnage, et donc une seconde sortie en dehors de la grotte de Platon pour accepter la vérité. D'autres encore qui, même après plusieurs sorties en dehors de la grotte, n'accepteront jamais la réalité et préféreront rester dans le déni. Il va sans dire qu'il est forcément plus difficile pour les fans de longue date d'accepter ce choc brutal, et qu'il m'est maintenant plus compréhensible pour moi de reconnaître leur désarroi vis-à-vis du film. Et ce n'est pas fini, ceci n'est que la première désillusion. La deuxième revient à mettre en question tout de suite après tout ce qui compose la trilogie originale, à savoir le conflit entre le bien et le mal. Luke indique à Rey que lorsque un des deux côtés disparaît,
l'équilibre voudra toujours se rétablir et fera toujours renaître soit quelqu'un d'obscur, soit quelqu'un de lumineux pour créer l'opposition et réengendrer la guerre. Il en rajoute même une couche en montrant que le bien n'est pas toujours le bien et que même les personnes qui sont dans ce qu'on appelle le bon côté peuvent sans le vouloir au départ faire émerger l'obscur, notamment via Qui-Gon qui a décidé de former Anakin malgré son penchant obscur, puis même Obi-Wan qui avait repris la formation du jeune Skywalker. Destruction donc de la légende qu'est Luke, du conflit obscur-lumineux et remise en question des actes des personnages phares de la saga. C'est à cet endroit précis où on peut être en mesure de se demander si cette remise en question est une volonté de détruire le passé de la part de Rian Johnson ou bien de lui faire honneur. Beaucoup de réponses apparaissent pour cette question. N'oubliez pas qu'on parle ici de mon expérience. Je vous expose donc ma propre vision des choses. Pour ma part donc, cette remise en question fait honneur en tout point à tout ce qui a déjà existé. Je justifie cela par le fait que c'est en considérant que quelque chose a existé qu'on lui donne de la valeur. A contrario, c'est en la passant sous silence qu'on la fait disparaître. Là, il stipule qu'en effet, tout cela a existé, mais que, dès lors qu'on était en plein milieu du conflit, on ne pouvait pas à la fois se battre et en même temps prendre le temps de réfléchir. On sauvait sa peau avant tout. On peut y voir un parallèle d'ailleurs avec les guerres mondiales. Une fois dans le conflit, la place à la réflexion est minime. Mais une fois que quelqu'un s'élève pour prendre de la hauteur vis-à-vis du conflit et parvient à faire signer un traité de paix pour y mettre un terme, les deux camps se serrent la main et évoluent ensemble pour ne plus qu'aucun conflit n'éclate entre les deux. Ici, c'est similaire. Luke fait comprendre à Rey et à nous, spectateurs, que réitérer les erreurs du passé ne nous feront pas avancer et qu'on ne fera que reproduire une énième fois ce qu'on a déjà vécu. Cela permet de dire que si on continue dans cette voie, si on ne remet jamais en question le côté manichéen, on ne cessera de toujours retomber sur la même histoire et c'est ainsi qu'on risque de créer des reboots de la saga à l'infini. À ce moment-là, le film entame déjà une idée qui sera approfondie plus tard à l'apparition de Yoda auprès de Luke, estimant que le meilleur des maîtres, c'est l'échec. Encore une fois, cela ne veut pas dire que ce qui s'est passé avant était nul et à jeter car c'était mal, mais qu'au contraire, c'était nécessaire pour qu'on se pose les bonnes questions à partir de maintenant. Autrement dit, si ces conflits n'avaient pas existé, on n'aurait pas eu la possibilité aujourd'hui de prendre assez de hauteur pour se rendre compte que ce n'était pas la meilleure solution pour notre avenir. Vu comme cela, ce n'est pas un déni du passé qui est fait là, mais un véritable honneur. Ainsi, la trilogie originale, voire même la prélogie, sont mises sur un piédestal. L'échec est le meilleur des maîtres. Ce sont les conflits antérieurs qui nous ont enseigné la sagesse dont on peut jouir aujourd'hui. Faire naître des Jedi, donc la lumière, c'est faire naître des Sith, donc l'obscurité. Pour éviter le conflit, il faut donc cesser de faire croître un côté au profit de l'autre. Comme le dit donc Luke à Rey, il est temps pour les Jedi d'en finir. Enfin, ce constat commence déjà à dessiner les prémices du futur de la saga, en donnant la possibilité de s'émanciper de la famille Skywalker et permettre à Disney de proposer des histoires différentes. J'ai entendu des critiques disant que si on voulait tant révolutionner la saga, pourquoi ne pas l'avoir fait complètement dans une autre époque et avec des personnages totalement nouveaux ? Eh bien pour moi, c'est parce qu'il n'y a pas plus sage que mettre en scène les personnages du passé pour nous mettre sur la voie. Cette trilogie peut ainsi être vue comme une fabuleuse transition, un passage de flambeau en douceur qui permet de faire honneur à ce que nous connaissions avant de pouvoir passer à autre chose. S'émanciper de la saga, créer des nouveaux films qui n'ont rien à voir, n'aurait pas été au contraire la pire des choses que Disney aurait pu faire ? En opérant ainsi, ils auraient du coup totalement ignoré ce qui avait été fait auparavant, et à ce moment-là, il aurait été logique de crier au scandale. Au contraire, Disney permet à ce moment précis d'effectuer un tournant dans la saga. Il est normal que parfois ce soit un peu violent, tout comme le film de Rian l'est. Après tout, il faut bien qu'un jour il y ait un virage. Et ce huitième épisode est justement ce virage, qui effectivement fait mal, mais permet au moins à Disney de nous guider vers de nouveaux horizons. Certes, les futurs épisodes vont certainement opposer encore une fois le bien et le mal, mais à des époques différentes, et avec des enjeux sûrement tout autres. Pour ma part, je table sur une trilogie qui se passe des centaines d'années plus tard. Tout comme dans la vraie vie, même après la paix, la guerre peut toujours ressurgir un jour ou l'autre dès qu'une personne sort des rangs, car dès qu'elle sort des rangs, elle crée le déséquilibre et génère ainsi le conflit. Ce qui du coup permet d'atténuer les critiques du 7, disant que c'est comme si la victoire du 6 ne servait à rien. Non, elle permet de dire que même avec de la réussite,
même avec la paix, la guerre peut toujours ressurgir là où on ne l'attend pas. Mais que dorénavant, il faut pouvoir voir plus loin que le bout de son nez et arrêter nos actions tant qu'il est encore temps pour éviter que cela se réitère une énième fois. Et alors que jusqu'alors on pouvait réellement croire au final que Luke baisse les bras et n'est définitivement pas la légende qui pourrait nous sauver, Luke est justement en train de sauver toute la galaxie en disant de tout arrêter, car il permet à l'équilibre de rester maintenu et de ne plus engendrer la guerre. Il est âgé dorénavant, et via son exil, ses fautes du passé avec Ben et l'enseignement de Yoda, il est devenu sage. Et c'est à lui désormais de transmettre sa sagesse. La fin du film le place d'ailleurs en plein cœur de l'intrigue et lui fait honneur de la manière la plus magistrale qui soit. La sagesse qu'il incarne est démontrée jusqu'au bout, étant donné que même lorsqu'il fait face au premier ordre, jamais il ne porte de coups. Il reçoit, mais ne rend rien, il est pacifiste, et montre que ce n'est pas par la violence qu'on remporte la guerre. Cette scène renvoie d'ailleurs directement à la scène du 4 lorsqu'Obi-Wan se sacrifie face à Vador. Encore une fois, c'est un bel hommage à la trilogie originale qui est faite ici. On comprend que l'image d'Obi-Wan qui se fait transpercer par Vador a marqué à jamais Luke dès le moment où il l'avait vu se passer sous ses yeux. Ce n'est pas non plus une vulgaire mort qui est attribuée à Luke. Au contraire, il disparaît après avoir fait une bonne action, dans la paix et la sérénité, et a pu rejoindre la Force comme il a vu son maître le faire auparavant. Et pour tous ceux qui pensent que l'héritage des Jedi est désormais enterré ou brûlé par notre cher Yoda, si vous observez l'une des dernières scènes dans le Faucon Millenium, au moment où Finn prend dans un tiroir une couverture pour recouvrir Rose, on peut y distinguer les fameux livres que Rey a pris soin de récupérer avant son départ d'Acto. Cela démontre que, malgré qu'elle soit nouvelle dans l'univers et que Luke ne représentait pas pour elle un espoir lors de son départ, elle a voulu se raccrocher au passé et ne pas le faire mourir. C'est un fabuleux symbole pour nous montrer que la nouvelle génération prend son envol vers de nouveaux horizons, vers des intrigues et des péripéties nouvelles, mais qu'elle emmène avec elle le passé pour continuer à dire qu'il est là, qu'il est présent, qu'on ne l'oublie pas, rendant ainsi le plus bel hommage qui soit aux Jedi et à nous, fans de Star Wars.